Bonjour tout le monde, c'est Gabriel et Corentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car on se retrouve pour une exploration qui n'était pas au programme. Nous nous rendions sur un spot abandonné pour l'explorer et il s'avère que sur le chemin nous tombons face à face à une énorme piscine abandonnée que nous ne connaissions pas. Nous voyons donc les murs totalement tollés, des tags apparents et nous nous disons que c'est le moment et c'est l'occasion de rentrer et de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette piscine abandonnée par nous-mêmes. Ni une ni deux, nous nous garons et nous descendons pour aller l'explorer. Ok. Oh le délire mec. Oh, c'est une belle piscine en tout cas. Bon, ça devrait pas être trop compliqué à escalader, je pense. C'est une bien abandonnée, mais peut-être ouais, on va direct. Oh. Ouais, on peut rentrer, je pense, à gauche. J'ai l'impression. Ça serait insane. Mec. Ça serait insane. Allez, on regarde là-bas à gauche. On passait juste par là pour aller vers notre spot. Et nous, quand on se balade en voiture, on a souvent l'habitude de regarder un peu si des lieux sont abandonnés autour de nous ou pas en fait. Et là, clairement, bah, ce lieu attire notre attention. On l'a découvert complètement par hasard. Elle est énorme. Hein. Ah ouais? Il y a l'infirmerie juste en face. Sûrement le truc très haut là, c'est le gros bassin. Ouais, il doit y avoir des bassins impressionnants là. Ouais. Oh, oui. Par hasard. Après, il a l'air d'être vraiment tollé de partout et muré de partout. Avec un peu de chance, on peut rentrer, comme notamment le petit accès qui est juste devant nous. Pas le plus facile, mais ça se fait. On a recruté les pierres. Ça m'étonnerait qu'il y ait une alarme ici. Ça m'étonnerait vraiment. Et bah nous voilà dans une nouvelle piscine abandonnée. Hein. Alors là, qui du cru. On est dans les vestiaires, vraiment. On va sortir le vrai matos parce que là on a la GoPro et on commence l'exploration. Après, on est équipé. Donc, comme on vous l'a dit, on est dans la zone vestiaire. Ouais, plein de fonds. Incroyable. Peut-être qu'on est dans une zone encore réservée au staff. Non, c'est clairement pas. Oh. C'est juste là. La piscine est juste derrière cette porte. Deux toboggans. Il y a des toboggans. But, water polo, free. Bah, tout simplement l'endroit de stockage. Il y avait pas mal de choses pour stocker, tout simplement. Ouais. Ouais, peut-être une petite salle de repos finalement. Ouais. Là, on a des morceaux de frites. Ouais. Oh, oui, on a. Le flotteur pour nager tranquillement. On a vraiment pas mal de petits objets d'époque. On a de la fritasse ici. Et ouais, donc vous voyez, il y a pas mal de trucs cassés. Ouais, et en fait, cassé. Tout le bâtiment autour, il est tollé de partout. Regardez, il y a de la tôle absolument partout. C'est vraiment pas le spot en meilleur état, mais on est super content en fait de le découvrir pour nous-mêmes quoi. C'est sombre. Très flippant. Ouais, du bazar. Ah, il y a un computer en morceaux, enfin une imprimante. Peut-être dans les zones bureaux. On a quoi, rien? Pas grand chose. Voilà, vraiment pas grand chose. Et on peut comprendre pourquoi tout a été rouché quand on voit tous les impacts qu'il y a ouais. Sur les vitres. Parce qu'on est quand même dans une ville, les gens ont dû s'attaquer très rapidement à vouloir dégrader le bâtiment. Parce que, comme on l'a dit, beaucoup de gens trouvent ça marrant, mais on trouve ça vraiment pas marrant. Toutes les vitres sont. Il y a le computer! Le computer! Il y a encore un computer. Attends, waouh! Il reste l'imprimante. Il s'est fait éclater. On a vraiment. Bah, ça montre que ça a été squatté quoi. Complètement squatté. On a de la bouteille, de la casse. Un petit transat. Sympa. De la nourriture, des documents au vrac. Encore évidemment une vitre cassée. Ouais. On les comprend, hein, c'est pour ça qu'ils ont. Ils ont tollé tout ce qu'ils pouvaient. Ouais. Et du coup, on est dans une ambiance toute noire, enfin, genre éteint la lumière. Ouais. Voilà. On voit plus grand chose. C'est peut-être le plan futuriste, comme la piscine qu'on avait déjà explorée une première fois. Ouais. Et là, les amis, on va découvrir le grand de la piscine, ce qu'on attend le plus. Oh, il y a. Oh, c'est si grand. Ça a été éclaté. Ouais, ça a été éclaté, mais. Qu'est-ce que c'est grand? Je sais même pas par où commencer. Oh là 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 là. C'est si bruyant. Je vais marcher là-dessus. Heureusement qu'on est pas pieds nus parce que vraiment il y a du verre partout. Regardez là, je vous mets juste un peu à droite. C'est indécent, on a rarement vu du verre autant flingué partout. Ouais, regardez l'état de la vitre sur le côté, genre. Oh, on touche, ouais. Ça tombe quoi. Ça a été flingué. Ici, on a peut-être une petite zone qui servait d'accueil. Il y a un beau coffre-fort en fait. Un beau coffre-fort là. Hein. Fiché. Ouais. Et on a encore un étage du coup qui est scellé. Hein. Parce
trouve là-dedans il reste des lingots d'or, des bitcoins, qui sait, qui sait ce qui va se cacher. La piscine qu'on explore aujourd'hui a été construite en 1976. C'est en 2018 qu'une piscine plus grande et plus moderne est construite à côté pour remplacer celle qu'on explore aujourd'hui et qui tombe donc dans l'abandon. Depuis, la piscine a beaucoup été vandalisée et squattée et c'est pour ça que la municipalité a totalement muré les entrées. Cependant, encore aujourd'hui, beaucoup de fenêtres restent accessibles et c'est ce qui nous a permis d'explorer cette piscine aujourd'hui. On a donc deux bassins, trois bassins, deux bassins. Je pense que même derrière cette partie-là, il y a des trucs, hein. Il devait y avoir les douches, vestiaires et du coup la salle d'accueil. La grandeur du bassin. Il y a même une moto dedans. Une moto ? Ah ouais. Là, regardez. Waouh ! C'est énorme ! Franchement, on en a jamais vu des qui vont autant en creux comme ça. Qui... Ça fait très bombé, tu vois. Alors, il y a des blagues ici, on descendra juste après, on n'est pas très profond. Et on a, enfin ce qui est fou c'est qu'on a encore des bassins là. Là c'est un énorme pédiluve ou c'est... C'est peut-être pour les enfants tu vois. Ouais tu vois, interdit au plus de 7 ans. Ah oui c'est ça, donc un petit bassin enfant. Petit bassin et là... Une quarantaine de centimètres. Et là bah un autre bassin pour les... Pour du fun hein. Ouais pour pas toucher tout simplement. On peut même descendre dedans. Il reste des fritas. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce que c'est grand. Oh là là. Ça c'est des trucs qu'on on s'attache autour de soi pour flotter. Là c'est des trucs on met nos habitudes dans les vestiaires et on ferme un euro. La grandeur du bâtiment c'est impressionnant. Et surtout genre regardez comment c'est muré vraiment, genre on est en plein centre-ville là. Et on le rappelle encore une fois que cette piscine elle a été trouvée complètement par hasard. Hein. Et d'ailleurs je pensais à un concept de vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, mais il faudrait peut-être faire une vidéo où en fait on va en voiture, on pose la caméra, on se balade en ville et on voit quel lieu abandonné on pourrait trouver. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça peut être sympa, non? Ça peut être très cool. Et là ce bassin il est... Il n'y a pas d'échelle par contre. Il n'y a pas d'échelle mais bon, on sait escalader, non? Ouais bah ouais on va. En vrai c'est vrai que quand je... Après il y a des chaises, des petites chaises là-bas. Faut le faire. Ouais, je pense qu'on a du mal à se rendre compte mais... C'est très très grand quoi. Et surtout c'est si profond. Il y a encore pas mal de petits objets. On pourrait venir nettoyer le bassin hein. Ouais. Mais comment il est tout petit. Je vous mets un zoom. Vous vous rendez compte à quel point le bassin il est grand. Déjà j'ai pas envie de tomber en fait. Ouais il y a 4 mètres. 5, ouais, 6. Ouais, 4 mètres. Il y a peut-être 6 en plus en fait. Dans la lueur du jour. Ah, il y a le petit brancard à la civière là. C'est impressionnant. Bon, ce qui est dommage, c'est évidemment que le lieu à côté est complètement tagué, mais bon, c'est le jeu de l'urbex de trouver des lieux comme ça. Mais juste de trouver une piscine aussi grande par pur hasard, c'est fou. Juste, c'est complètement fou. Ça, c'était quoi à ton avis? Un grand parapluie? Franchement, je crois que... Je me demande si c'est pas le truc, tu sais, qui était à l'envers. Et il y avait un appel d'eau, et ça faisait un peu de cascade, ouais, et les enfants, ils se mettaient dessous. J'aurais dit ça aussi. Bon, c'est vraiment dangereux, il y a du verre de partout. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Il y a des fritas. Oh, ça a cogné en même temps. Ouais, vraiment, ça m'a fait d'autant plus peur. On en a plein, on en a toutes les couleurs pour tous les goûts. Ouais. Ligne d'eau numéro 3 réservée au public. Et on... Ouais, oh, on peut la calculer la hauteur. Ah, avec iPhone. Ouais, normalement. Et les pimp, hein. Si on a des petites lunettes pour voir dans l'eau. Et là, c'est vraiment tout ce qu'il y avait à l'époque. En plus du déchet, malheureusement. C'est assez terrible. Du coup, juste sur cette hauteur là, de là à là, il y a 2m50. Ah ouais. Et comme là c'est plus profond, il doit y avoir 3m50. Je pense plus hein. On a remarqué qu'en fait il y avait les lumières qui éclairaient la piscine avant et là qui sont trouées. Du coup on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Ça a l'air énorme. Oh, c'est les galeries souterraines. Il y a peut-être des souterrains. Ouais.
Mec, en fait, ça se trouve, il y avait une vitre là, on pouvait voir. Ouais, je pense. Et ouais, bah c'était comme dans la piscine qu'on avait exploré avec les grandes vitres vertes. Exactement, le lien est juste là-haut, vous pouvez aller voir. Allez, on va remonter et on va explorer le reste de cette piscine. Tiens, je te passe un petit outil qui te sera utile. Oh. J'allais dire, il y a rien, tu vois, c'est un prank cette porte. Mais pas tant que ça. C'est strictement... C'est là où on va, les amis. Non. C'est ce que j'allais dire quand cette odeur se boisait un peu. Quand il y a du bois comme ça... Mais cette odeur, je la connais. Ça va être là, c'est là. Bah oui. Non mais bah oui. C'est évident, cette odeur, mec. Vous l'avez pas vu que c'est du MP4, c'est une vidéo. Mais ça sent énormément le sauna et le hammam. Donc comme vous pouvez le voir, on va sûrement tomber sur un sauna qui est juste là. Et là, c'est une des zones les plus saccagées. Les portes, elles sont partout par terre. Et là, mec... Ah ouais, ça c'est un sauna, ça. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un sauna. Il a pris très très cher. Oh, l'odeur, mec, là-dedans, ça sent tellement bon. C'est impressionnant. Vas-y, rentre dedans. Oh, mec, j'adore cette odeur. Oh, oula, le bang, il tient pas trop. Mais c'est un des... Et il y a le journal de bord du sauna qu'on a tenté de cramer, malheureusement. Oh là là, mec, j'adore. Il est pas très grand, hein. C'est un petit sauna de deux personnes. Peut-être un hammam. Non, juste un vestiaire. Ah ouais, je sais pas, une salle de squat. Enfin, c'est bizarre. Ouais, non, juste un vestiaire. C'est entre... Mais pourquoi il y a un matelas comme ouais, ça? Ouais, peut-être que quelqu'un a squatté ici. Hein. Ouais, c'est fort possible. Hein. Ça doit être du... Oh là là, mec, je crois qu'on n'est pas prêt. Hein. Oh là là, c'est stylé. L'ambiance derrière moi. Là, on a des petites douches, donc c'est sympa. Ouais, hein. Tout à fait correct. Et là, mec, l'ambiance derrière moi, les vestiaires. Il y a... C'est archi stylé. C'est très flippant. Okay. Après le passage au vestiaire, les gens passaient à la douche ici. Et aller au bassin qu'on voit juste derrière. Ouais. C'est impressionnant comme bassin finalement. Et je pense qu'il y a d'autres trucs à droite, mais du coup en fait je pense que ouais c'est ça. Juste à droite ça doit être la même chose, mais pour l'autre sexe, là on doit être côté homme ou femme. On va attendre de trouver hein. On va essayer de trouver une petite indication. Là du coup on a le premier vestiaire. Avec tout le toit qui tombe, mais il reste les trucs pour s'asseoir là. Tout simplement. On a... Pardon. C'est pas l'effet prévu ça. Ah, ça se tient. Ok, beaucoup plus logique. Et là on en a un en meilleur état. Hein. Mmh. Bon, il y a eu quelques soucis d'hémoglobine. Mais mis à part ça, on est là, on peut se manger en ce moment, on va se baigner. Très stylé. Et lui, je sais pas comment on va le passer, on va être obligé de marcher dessus. Hein. Dans une piscine, l'odeur que vous sentez n'est pas du chlore, mais de la chloramine. Le chlore est le désinfectant de l'eau, donc prends une douche savonne avant de se baigner. Mmh. Mmh. Ah ouais, c'est vraiment un vestiaire, hein. Vestiaire. Ça a pris si cher. Oh, le panneau derrière toi, j'adore. Chaussures interdites dans les vestiaires. Petit logo, forcément. Mais oh. Là, en fait, on n'a pas cramé, il y a le truc pour sécher, non? Ah ouais. Évidemment, ça marche plus. Ça aurait été flippant que ça marche. Non, vraiment. Oh, yoï. Bienvenue dans l'accueil de la piscine, en fait. Ah ouais. Bon délire. Donc cet accueil qui a été complètement muré. Mais quand on se retourne, on peut voir là où on arrive. Et donc ça c'est pas des tags au moins, ce qu'il y a devant c'est la mosaïque de base. Ouais. Et là on arrivait et... Piscine couverte, 500 personnes, il y a une piscine dehors en fait. Peut-être. Elle a dû être détruite depuis, c'est peut-être le cas. Ah ouais. On a les papiers à décoller genre en mode année 6. C'était que la 6ème année d'ouverture du coup j'imagine. Pas de personnes habillées au bord des bassins, tenue de bain obligatoire. Tout à fait compréhensible. Enfin, il y a le truc en mode sauna. Et là, du coup, après, on a à peu près la même chose de ce côté-là, mais... Ouais. T'arrives, tu sais pas de quel côté sont les filles, quel côté sont les garçons. Oh, il devait y avoir marqué à l'époque, je pense. Et là, on a tout un nouveau vestiaire. Ah, c'est un meilleur état, ici. Là, c'est un meilleur état. Hein. Ah ouais, c'est sympa. Et là, qu'est-ce qu'on a? Les informations à savoir par la direction. Par mesure d'hygiène, il est strictement interdit de manger dans les vestiaires et de circuler dans le hall d'entrée sans être chaussé. Je peux comprendre. C'est fou en fait à quel point il reste tout. Même là, il y a du gel, enfin il y a des savons partout. C'est génial. Et on connaissait pas cet endroit, enfin genre... Du pur hasard, on le répète en plein de fois. C'est fou.
ça la magie du urbex, les amis. Ok, donc là, moi de mon côté, vu que je suis à sécurité, tu vois, je pouvais fermer ça. J'avais ici toutes les clés et ici un méga haut-parleur, genre. Il y a toutes les cartes. Ah oui, c'est là qu'on devait chercher sûrement du matos ou des. Ouais. Ou demander des cours, des choses comme ça, quoi. Où les clients étaient juste derrière, finalement. Tentative d'incendie, encore une fois. Toujours très dommage. Et tarifs. On est adulte. On est adulte. 3€. Ça va. Il y avait de l'aquagym, de l'aquabike et des bébés nageurs. Location de vélo, entrée sauna, tu pouvais faire ton anniversaire ici. C'est stylé ça. Il va pas y avoir d'étage, hein, je pense. Non, mais peut-être des souterrains. Ah, comment on les trouve? Faut voir. Sûrement par là, vu qu'on est déjà passé par là. Faut ouvrir chaque porte qu'on n'a pas ouverte, quoi. Mmh. Vraiment, cette entrée dans la piscine, elle est impressionnante. Hein. Hop, et là, le grand bâtiment. Mais où sont les souterrains? Bah, ouais. Par là, en fait. Le lit. Là, ça passe en dessous. Ici. On n'est pas passé par ici. Ouais, tiens, tiens, tiens. Ah. On regarde vite fait ce qu'il y a là et après on descend. Là, il y a une petite porte mystère. Un local électrique. Oh, merde. Quoi? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Sûrement, ouais, encore du local technique. Ah, bah, c'est toujours impressionnant, c'est sale dans la piscine, donc là, c'est toute la chaufferie. Ouais, c'est des centrales de traitement d'air. Plus chauffage, je pense. Toute l'électricité, quoi. On va aller au souterrain, hein. Ouais, c'est parti pour les souterrains. Sûrement des travailleurs dehors. Mais c'est flippant. Mec. Quoi? Salle de musculation. C'est vrai? Ouais. Je sais pas ce que ça vaut, mais... personnes pouvaient rentrer en même temps dans cette salle de musculation. Ouf. Ah ouais. Mais non. Mais non. Le truc du premier jour. Pas du premier jour. Ah, le toboggan, le bébé toboggan. Oh, j'ai des balles, il y a des toboggans. Ok, là on est sous la piscine. Ouais. L'angle là, c'est la piscine. On voit les petits reflets, reflets de lumière là-bas. Oh, la tarentule, mec. La tarentule. Oh là là, c'est terrible. Montre. J'ai des surfroides. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, regarde. Elle est là. Ouais. Ouais, comme tu dis. Yaaah. Des araignées comme ça. Bah là là là. Spider-Man, il est mort pour manquer ça. Hein. Heureusement. Bah, dommage, on a un grand angle, on peut pas se rapprocher, c'est bête. Tu peux y aller, toi? Ouais, je peux y aller, ouais, bien sûr. Carrément. Des monstres comme ça qui sont plus gros que moi, c'est bon, ça va aller. Il y a des cages pour faire de l'aquagym. Ah ouais, les cages de water polo. Ok, c'est le moment d'aller voir la salle de musculation. Ouais. Il me semble qu'il y avait encore des machines d'après ce que j'ai vu. Hein. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Moi, j'ai un tout petit vestiaire pour que les sportifs puissent changer avant d'aller à la salle de musculation qu'on va découvrir maintenant. Il me semble que c'est là. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup. Et il reste encore quelques machines. Hein. C'est très stylé, il reste des poids. Oh, regarde là-bas. Ouais, ouais, c'est cool, hein. Ah ouais. Il reste un peu de matos quand même, hein, finalement. On pouvait venir s'entraîner ici, dans la cave. Ça devait sentir la transpi. Ouais, cette machine, en fait, elle est tombée. Ah ouais. Elle est pas... Ouais, c'est très cool. Quelle belle découverte, quand même. Quelle belle découverte. Surprenant du fait qu'on... Il y a encore 20 minutes, on connaissait pas du tout cet endroit-là. Ouais. Et là, on est déjà dans la cave, dans la salle de sport d'une piscine abandonnée. Enfin, genre, c'est dingue. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit abonnement, ça nous fait très plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle exploration. Ciao tout le monde.